C'est du beau bois d'érable. Il y a une courbe naturelle intéressante. Bon, de quoi faire de deux ustensiles, certainement. J'ai commencé à arrondir le bout. Je vais en faire une spalière, spatule cuillère. C'est ce qu'il y a de plus utile au camp pour cuisiner. À cause du cœur tendre qui ferait un trou, je vais être obligée d'en enlever aussi en épaisseur sur toute la longueur. Donc, je vais bâtonner pour faire ça. Une mince couche de bois, juste assez pour faire disparaître le cœur. Les premières cuillères, je donnais un coup de scie des deux côtés, puis je bâtonnais pour enlever l'excès de bois du manche, mais je trouve qu'on arrive à un résultat plus harmonieux en enlevant la matière à partir de la courbe, comme ça. Quitte à bâtonner là, pour enlever les grands bouts. Et on n'a plus de contrôle sur la forme en y allant de cette façon-là. Quand on est satisfait de la largeur, on peut passer à l'épaisseur. Donc là aussi, on va réduire ici un peu plus pour donner une courbe. Là, le dessous est assez bon. Je vais aller en courbe en amincissant pour le dessus. Pour avoir une cuillère équilibrée, il faut la regarder sur tous les angles. Donc, de côté. Et ici, j'ai une bosse qu'il va falloir retravailler. Le bout, c'est important que ça soit symétrique. La même chose à l'autre bout. Bon, c'est difficile à voir. Bon, j'ai enlevé la bosse sur l'épaisseur, puis je veux laisser le nœud. Ça donne un côté rustique que j'aime bien. Pour le cuillerron, souvent je prends cet outil-là, le flex-cut, avec la lame ronde, pour marquer le bord. Sans rien enlever vraiment, juste tracer la courbe et les côtés comme ça. Bon, là j'ai tracé tout le tour. Je vais pouvoir commencer à en enlever avec le gros couteau croche. En faisant à moitié comme ça, j'évite de dépasser et d'aller gruger le manche et me blesser. Donc, je suis très bien la fibre. Quand je vais en avoir enlevé beaucoup, j'enlève les frisottis en les prenant dans l'autre sens. Toujours en donnant un mouvement un peu vers le haut, pour que si ça part, ça ne m'arrive pas sur le pouce. Et je continue.
Maintenant, je palpe avec les doigts pour voir si l'épaisseur est à peu près constante. Là, il y a le fond du cuilleron. C'est beaucoup plus épais. J'ai le choix d'en enlever par l'extérieur ou par l'intérieur. Je pense que je vais en enlever un petit peu ici pour faire le creux plus rond. Puis ensuite, je vais travailler l'extérieur avec le mora, qui est plus délicat que le gros crotalus. J'y vais à tout petit coup parce que là encore, la fibre peut éclater. Avant de passer au ponçage, je fais un dernier lissage en douceur avec la lame pour enlever les petites aspérités, les arêtes que j'arrondis. Sans appuyer pour ne pas creuser. Quand je suis satisfaite de la forme générale et que je veux faire un trou, j'utilise soit le poinçon d'un vieux Victorinox qui a le poinçon au bout et non pas sur le côté pour avoir une meilleure prise, ou bien la gauche droite du Flexcut qui donne un trou vraiment net. Je creuse comme ça à partir de l'endroit jusqu'à ce que la pointe dépasse à peine à l'envers pour que je sache où continuer le trou par l'autre côté de façon à avoir des bords nets. Ça creuse très bien. Je suis donc rendue au ponçage. L'érable, c'est un bois dur, alors je vais commencer avec un gros grain du 120. Si j'avais du bois plus mou, je pourrais prendre du 160, 180. Et je vais finir avec du 280 pour adoucir parfaitement avant de huiler. J'évite de prendre un morceau dont les côtés sont intacts parce que c'est risqué de marquer le bois. Donc j'aime mieux le déchirer à la main. Puis je prends un morceau assez petit qui va pouvoir aller dans le creux de la courbe en poussant avec le doigt. Mais je commence par le manche pour amollir un peu le papier. C'est important de poncer dans le sens du bois pour ne pas faire de marques qui seraient difficiles à faire partir. Pour le creux du cuilleron, j'y vais avec le pouce, en faisant bien attention que les bords soient irréguliers pour ne pas faire de marques. Pour le trou, je prends un petit morceau et je me fais un tout petit rouleau. Et voilà, quand c'est doux partout, ben on recommence avec le papier à grain plus fin. Pour décorer, je prends un outil à pyrogravure. IDS, instinct de survie, mon forum. La signature. T pour teacher.
pour la protection du bois, on a besoin d'une huile. J'ai longtemps pris de l'huile de chanvre, mais ça donnait une petite coloration verdâtre au bois. Sinon, j'ai pris de l'huile d'olive. J'ai trouvé cette huile-là qui est faite pour un étal, une planche à découper, donc qui est sûre pour la préparation de la nourriture. Il faut en mettre bien partout. Cette huile-là est bien visqueuse. On peut l'appliquer avec les doigts. Moi, j'en mets 3 couches. Entre la première et la deuxième, il faut attendre 1 heure. Puis un bon 12 heures avant de mettre la troisième. Et je dépose pour laisser sécher. L'huile a bien pénétré dans le bois. Et pour la sceller, pour sceller les parts, je frotte avec un chiffon de laine jusqu'à ce que je sente que ça devient chaud. En même temps, le fait de frotter comme ça, ça donne un fini légèrement lustré et très doux. Une lanière de cuir pour la finition, pour suspendre un mousqueton ou une branche d'arbre. Et voilà comment on est passé de ça à ceci.